J'ai aimé un cheval. J'ai aimé un cheval. Qui était-ce ? Il m'a bien regardé de face, sous ses mèches. Les trous vivants de ses narines étaient deux choses belles à voir, avec ce trou vivant qui gonfle au-dessus de chaque œil. Saint John Perse ne détestait pas poser devant les photographes. Élégant et un peu raide, souvent vêtu de vestes de tweed à la mode anglaise, il se tient très droit et fixe l'objectif de ses yeux noirs et perçants. Tenue et allure de cavalier, qui étonnait certains de ses collègues du Quai d'Orsay, habillé uniformément en costume croisé de flanelle grise. Un cheval fut dès son enfance son premier et meilleur compagnon. L'équitation y est associée à la navigation et à l'astronomie, toutes activités qui exigent une bonne connaissance des éléments naturels, une grande maîtrise de soi et un apprentissage d'un vocabulaire spécifique. Trois qualités dont il est doté et qu'il cultivera jusqu'à un âge avancé. Pendant les vacances scolaires, il se hâtait de quitter Pointe-à-Pitre pour retrouver son cheval sur la plantation de ses grands-parents maternels d'Ormois, Bois Debout. Il apprenait à le dresser et la tête couverte d'un chapeau de paille faisait le tour de la propriété. Il appréciait infiniment la liberté de vivre en pleine nature, au milieu des bêtes dont il apprenait les noms ou à qui il donnait des noms. Le dimanche, la famille nombreuse s'entasse dans une charrette traînée par un cheval. Parfois, la charrette est remplacée par une calèche plus élégante. Les autres jours, dans les champs de canne à sucre, un canasson tire une charrue ou laboure la terre. Toutefois, le préféré du jeune Alexis, c'est celui qu'il appelle avec fierté son premier cheval, car il aime déjà la pose et la posture du cavalier. Le dos droit, les genoux serrés sur les flancs de la bête, les pieds pointés sur les étriers, il fixe l'horizon où scintille la mer, et parfois il se penche pour murmurer à l'oreille de son poney. Un homme est dur, sa fille est douce. Qu'elle se tienne toujours à son retour sur la plus haute marche de la Maison Blanche, et faisant grâce à son cheval de l'étreinte des genoux, il oubliera la fièvre qui tire toute la peau du visage en dedans. J'aime encore mes chiens, l'appel de mon plus fin cheval, et voir au bout de l'allée droite mon chat sortir de la maison en compagnie de la Guenon. Toute chose suffisante pour n'envier pas les voiles des voiliers que j'aperçois à la hauteur du toit de tôle sur la mer comme un ciel. De la blessure de l'exil naissent à partir de ses 17 ans les premiers poèmes, réunis en 1911 dans le recueil Éloge. Des poèmes où les temps du passé et du présent se conjuguent pour prononcer à la fois la cruauté de la perte et la saveur incomparable du royaume de l'enfance. Or, dans ce domaine où toutes les bêtes sont belles et bonnes, mais indifférenciées, une seule a droit à un traitement de faveur, une seule est personnalisée, son propre cheval. J'ai aimé un cheval. Qui était-ce ? Il m'a bien regardé de face, sous ses mèches. Les trous vivants de ses narines étaient deux choses belles à voir, avec ce trou vivant qui gonfle au-dessus de chaque œil. Quand il avait couru, il suait, c'est brillé, et j'ai pressé des lunes à ses flancs sous mes genoux d'enfant. J'ai aimé un cheval. Qui était-ce ? Et parfois, car une bête sait mieux quelle force nous vante, il levait à ses dieux une tête d'airain, soufflante, sillonnée d'un pétiole de veine. Qui était-ce ? Question insistante dont la réponse est suggérée à la fin. Il levait à ses dieux une tête d'airain. La mère d'Alexis, René Léger, avait entretenu la passion du cheval chez son fils. Elle montait en Amazone, comme toutes les femmes à l'époque, et avait la réputation d'être une excellente cavalière. Évoquant sa mère dans les années 1960, dans un entretien avec son ami Pierre Guerre, Saint John Perse confie une scène d'enfance jamais racontée avant. Une fois, Alexis s'était laissé surprendre par un de ces orages tropicaux. Le chemin d'argile qui glissait, il entend soudain derrière lui un galop comme d'une bête emballée.
Alors passa sa mère sur son cheval Tsigane, dans les éclairs et le bruit du tonnerre. Il se rappelle encore la profonde impression que fit sur lui cette image de sa mère cramponnée à la bête, le visage trempé mais exalté, les cheveux défaits, son catogan éclaté, son corsage ouvert, une expression hagarde et la bouche ouverte, sensuelle, passant sans le voir dans ce galop diabolique. Lorsqu'elle parut au dîner le soir, douce et tranquille parmi ses enfants, calme et indifférente presque, l'enfant, étrangement troublé, songeait à cette autre femme, emportée par le cheval noir à travers les branches qui fouettaient son visage. Il ne pouvait penser que c'était bien la même femme et que c'était sa mère dont il avait eu une heure avant la vision diabolique. L'enfant a compris alors qu'il y avait des failles dans la vie, un monde qu'on ne peut raccrocher à l'autre. Très vraisemblablement, ce récit et sa moralité sont sortis de l'imagination du poète septuagénaire. Telle est toutefois très exactement la vision du monde du futur Saint John Perse. Un monde où la violence et la douceur, la virilité et la féminité sont incarnées à tour de rôle dans le même sujet, homme, femme ou animal. Plus de 10 ans ont passé entre le recueil Éloge, publié par Saint-Léger-Léger, et Anabase, avec en ouverture et en finale 2 chansons, publiées sous le pseudonyme définitif Saint John Perse. Devenu soutien de famille, remarqué et encouragé par de grands aînés, parmi lesquels Francis Jammes et Paul Claudel, il monte à Paris et réussit le concours des affaires étrangères. Paradoxalement, l'ambition professionnelle va l'emporter sur la quête poétique, et il ne reprendra la plume qu'une fois parvenu en Chine comme 3e secrétaire de la légation de Pékin. En dehors de l'équitation en manège, le jeune diplomate pratique de grandes randonnées à cheval pour rejoindre un petit temple taoïste désaffecté à un jour de Pékin, sur une éminence dominant les premières pistes caravanières vers le nord-ouest. Il y composera les premiers feuillets d'Anabase. C'est avec sa mère, exclusivement, que de Chine, le jeune diplomate s'entretient de ses performances de dresseur d'un cheval rétif d'origine mongole qu'il baptise Alan. Plus qu'un ami, en vérité, ce dernier est devenu son double. Alan était en effet le surnom donné par sa mère jadis à l'enfant Alexis. « J'ai aimé un cheval », écrivait-il jadis. « J'aime Alan, mon cheval mongol », écrit-il à présent à René Léger en janvier 1917. « J'aime Alan, mon cheval mongol, devenu mon ami. Une bête singulière qui ne trouverait pas grâce à vos yeux et dont personne ici ne comprend qu'elle puisse s'entendre aussi bien avec moi. Mes hommes d'écurie en ont encore un peu peur et mes amis anglais du club prétendent qu'au montoir, il faudrait lui mettre un sac sur la tête. Mais elle vient à moi avec des yeux d'enfant et sa rudesse de jeune brute se fait étrange douceur dès que j'ai pu approcher assez d'elle pour lui rappeler à l'oreille ce nom, Alan, que j'ai porté pour vous dans mon enfance. Dans l'imaginaire de Saint John Perse, le cheval est associé à l'enfance et à sa mère, ainsi qu'à la mère. Dans les mêmes années, il écrit à Joseph Conrad. La hantise de mère, dans les terres de Mongolie, se fait étrangement sentir. Une chose mystérieuse que j'ai pu moi-même constater, c'est qu'en terre haute d'Asie et au cœur même du désert, cheval et cavalier se tournent encore d'instinct vers l'est, où gît la table invisible de la mer et le site du sel. Dans Éloge, le cheval appartenait à un monde disparu, son monde personnel,
qu'il était parvenu à réanimer grâce à la magie poétique. Dans Anabase, le cheval devient l'élément essentiel de sa rêverie poétique, comme jamais plus il ne le sera après l'aventure chinoise. Associé au désert de Mongolie et aux civilisations nomades, il fait remonter à la mémoire les aventures héroïques de deux grands conquérants d'empires et de leurs équidés illustres, Gengis Khan et Alexandre le Grand. Ni l'un ni l'autre ne sont cités nommément dans Anabase. Toutefois, en palimpseste, le rêve héroïque et civilisateur du narrateur s'incarne dans leurs figures légendaires, leurs conquêtes, leurs fondations et leurs montures mythiques. À la fin de son séjour en Chine, en mai 1920, le jeune diplomate entreprend une expédition sur les traces de Gengis Khan en Mongolie, mais trop courte à son goût. À l'heure du départ définitif de Pékin, il confia son regret de ne pas être allé jusqu'au bout de son aventure asiatique à celui qui avait été un de ses compagnons de voyage, Gustave-Charles Toussaint, orientaliste spécialisé dans l'étude et la traduction du tibétain. Désolé aussi de n'avoir pu vous joindre l'automne dernier à Fengchen pour courir avec vous sur un cheval couleur de loup, les 450 km de pistes boueuses ou torrentueuses en pays désert, jusqu'à la grande tente jaune, reliquaire du cercueil d'argent de Gengis Khan. La présence d'Alexandre le Grand nourrit davantage encore dans Anabase son imaginaire, ne serait-ce qu'en raison de la quasi-homonymie de leur prénom. Dans des images brèves et percutantes, André Malraux évoquait la même affinité. Lorsque j'étais, après vous, dans le désert afghan, les fouilleurs qui travaillaient avec moi espéraient trouver quelques jours le quadrillage de bronze vert qu'Alexandre, dit-on, fit dresser sur le tombeau de Bucéphale. Et je me souvenais d'Anabase, pour le cheval, pour l'épopée et pour le bronze. Lorsque je vous retrouve aujourd'hui, vous venez d'achever l'admirable poème où la turbulence divine a son dernier remous. Pour tous les écrivains de ma génération, votre œuvre n'a cessé d'exprimer la poésie dans ce qu'elle semble porter d'invincible. Même intimité entre Alexis et Alan qu'entre Alexandre et Bucéphale, grâce au magnétisme de son cavalier. Mon cheval mongol, une bête primitive, me semble parfois faire tellement corps avec moi que c'est moi, l'homme, qui me sens devenir cheval. Et lui, cheval, qui me tient pour son totem. Dès l'incipit d'Anabase, le sujet parle avec l'autorité d'un conquérant de territoires sur lesquels il installera un peuple nomade, imposera sa loi et fondera une ville. Sur trois grandes saisons m'établissant avec honneur, j'augure bien du sol où j'ai fondé ma loi. Les armes au matin sont belles et la mer. À nos chevaux livrés, la terre sans amende, nous vaut ce ciel incorruptible. Et le soleil n'est point nommé, mais sa puissance est parmi nous. Et la mer au matin comme une présomption de l'esprit. S'inspirant des grandes civilisations archaïques, le cavalier d'Anabase rétablit le mode de l'échange et de la relation. Le troc remplace le commerce. On négocie les traités d'amitié et de délimitation, les conventions de peuple à peuple. Quant au cheval, dans cette société où tous les gestes et comportements sont ritualisés, il est l'ancêtre et le protecteur du clan, son totem. On lui doit respect et hommage. Saint John Perse reçut la confirmation, pendant l'expédition en Mongolie, d'une présence divine dans l'animal. Sous le sable du désert, il avait découvert un crâne de cheval.
s'était endormi, le crâne sur la poitrine, et à son réveil, il avait remarqué que ses guides mongols l'observaient avec un mélange d'étonnement et de respect. À partir de ce moment, ils me traitèrent avec une très grande vénération, rapporte-t-il. Attaché à cet objet fétiche comme à aucun autre, puisqu'il était revenu de Chine les mains nues, selon son expression, il le fit envoyer par la valise diplomatique au domicile de sa mère à Paris. Elle en eut le choc de sa vie. J'empaquetai donc dans du papier de soie mon beau crâne et m'en allai à pied par les quais pour le jeter à la Seine. Lorsque je sentis dans ma poche la clé de Marie Laurencin, je questionnai le concierge. Il n'y avait personne dans l'appartement. J'entrai. Au bout de quelque temps, je pris un bloc qui était là, un crayon, et je composai la chanson qui précède aujourd'hui Anna Baz sur l'étranger. Puis, comme la nuit tombait, je voulus m'en aller. Et alors, l'idée me vint de déposer mon crâne au milieu de cet appartement si futile, tout bleu et rose. Dans l'entrée, j'avisai un tiroir contenant des rubans. J'enguirlandais mon crâne comme un berlingot, et dans sa mâchoire, je plaçais le poème. Lorsqu'elle revint chez elle, ce fut tout un drame. Elle reçut un véritable choc en apercevant mon crâne et tomba malade. Ce récit romanesque est concentré à la fin de la strophe du chant 3 d'Anna Baz. À la moisson des orges, l'homme sort. L'odeur puissante m'environne et l'eau, plus pure qu'en jabal, fait ce bruit d'un autre âge. Au plus long jour de l'année chauve, louant la terre sur l'herbage, je ne sais qui de fort a marché sur mes pas. Et des morts sous le sable, et l'urine, et le sel de la terre, voici qu'il en est fait comme de la balle dont le grain est donné aux oiseaux. Et mon âme veille à grand bruit aux portes de la mort. Mais dites au prince qu'il se taise. À bout de lance, parmi nous, ce crâne de cheval. La tonalité des deux chansons qui encadrent Anna Baz témoigne plus encore que le poème lui-même d'une longue intimité du cavalier poète avec son cheval. Mon cheval arrêté sous l'arbre plein de tourterelles, je siffle un sifflement si pur qu'il n'est promesse à leurs rives que tiennent tous ces fleuves. Feuilles vivantes au matin sont à l'image de la gloire. Et ce n'est point qu'un homme ne soit triste, mais se levant avant le jour et se tenant avec prudence dans le commerce d'un vieil arbre, appuyé du menton à la dernière étoile, il voit au fond du ciel à jeun de grandes choses pures qui tournent au plaisir. Mon cheval arrêté sous l'arbre qui roucoule, je siffle un sifflement plus pur. Et paix à ceux s'ils vont mourir qui n'ont point vu ce jour. Mais de mon frère le poète, on a eu des nouvelles. Il a écrit encore une chose très douce, et quelques-uns en eurent connaissance. L'heure est au lyrisme d'un chant solitaire et au rêve d'une nouvelle forme de langage poétique. Les mots y sont à peine nécessaires. Le ton et la mélodie importent davantage. Siffler, se transformer en oiseau, quel rêve! Rentré en France en 1921, Alexis Léger fut absorbé par de lourdes fonctions au Quai d'Orsay. Tout au long des 20 futures années, le poète se tut. Après son éviction en juin 1940 par le nouveau ministre des Affaires étrangères, Paul Reynaud, il partit la tête haute après avoir refusé, en compensation de ce mauvais traitement, l'ambassade de Washington. Commença alors, dans l'humiliation et l'oubli, un long exil aux États-Unis. Or, après une année sombre et stérile, il entendit à nouveau le frémissement d'une voix. Elle l'appelait à reprendre hardiment la plume.
Je vous connais, ô monstre. Nous voici de nouveau face à face. Nous reprenons ce long débat où nous l'avions laissé. Que l'on ne s'étonne pas que le poète cavalier d'Anabase soit descendu de sa monture et renoncé à galoper dans le désert, à conquérir de nouveaux espaces et à humer l'air de la mer. À Washington, où il habite définitivement, il n'a ni la possibilité ni les moyens financiers de pratiquer l'équitation, encore moins d'avoir un cheval à lui avec lequel dialoguer. Le cheval sera dorénavant enfoui dans la mémoire la plus tenace, la mémoire sensorielle. La sensualité érotique du parfum de céleri des harnais surgit dans vent d'une façon inopinée. Que de douceur dans cette rêverie de jeunes amazones en selle. Mais quoi ? N'est-il rien d'autre ? N'est-il rien d'autre que d'humain ? Et ce parfum de céleri lui-même et cette poudre alezane qu'on songe chaque nuit, sur son visage encore promène la main du cavalier, ne saurait-il en nous éveiller d'autres songes que votre fauve image d'Amazone, tendre compagne de nos courses, imprégnant de vos corps de la laine des jottes pures ? Fallait-il que ce parfum de céleri, d'origine antillaise, soit enfoui dans son moi intime pour que dans Chronique, le dernier des grands poèmes de Saint John Perse, il résiste avec quelques autres sensations fortes au grand nettoyage de l'enracinement dans une terre, dans une généalogie et dans une maison. Nous n'étions pas dans le bois de luthier, de l'épinette ou de la harpe, ni dans le col de cygne des grands meubles lustrés, couleur de vin d'épices, mais dans les cales de tortues géantes encore malodorantes, et dans le linge des servantes, et dans la cire des céleris où s'égare la guêpe. Partenaire des conquérants du Nouveau Monde, Saint John Perse, en compagnie d'un cheval, réel ou rêvé, habitait mieux le monde. J'ai aimé un cheval. J'ai aimé un cheval. Qui était-ce ? Il m'a bien regardé de face sous ses mèches. Les trous vivants de ses narines étaient deux choses belles à voir.